Mokambi ya yambo ya komini ya kalamu mwana mboka Charlie Luboya alengela ki milulu ya celebration ya anniversaire ya ba quartier ya komini ina. Liboso ya ba chef de quartier, ba chef de rue, ba kambi ya ba ONG pe ba kongombani mokolo ya le 28 août 2023 na quartier Matongi. Na bozwi maloba liboso ya population, Charlie Luboya eba ki na ko remercie mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo elongo na ba kongombani pe ba partenaire oyo ba tchaki maboko po na réussite ya événement. Akoba qui na koloba ete quartier Matongé elongo na kauka ekokisi 71 ans imo Congo to 20 mai 70 ans kimbangu 65 ans pe yolo 61 ans na ngambu ya population basengi ete histoire ya ba commune ebeta makapo na ba génération o ezali koya bolanda na micro Africa Cool Television tusangani lelo po na ko lancer anniversaire na biso ya yambo depuis kalamu ezala kalamu et kalamu soki to lobine na lokoto le français ba lobaka personne morale ayamba biso apesa biso tous les atouts ba quartier moko célèbre abimisa ba icône moko célèbre pourquoi n'est pas quand même ko penser na ye ko salele anniversaire yango lelo ezali anniversaire na ye ndenge na uti ko loba tozan na ndenge belge akabola ki 5 quartiers non ya kalamu non sans compter de mini quartiers hein. Tous en Imokongo, tous en Matongé, tous en 20 quartier Imokongo, hein, on a le 20 mai, tous en Kimbangu, tous en Yolo et Yolo Nord et Sud. Hein. Donc Epindi nyoso ana torosa l'anniversaire na yango. Dans chaque quartier to corriger ba site hein, oh ba activité ba no sala. To lobi ba mama nzango ba kobeta, ba mama ya football et kozala. Et puis basket pe kozala. Donc na ko souhaité lobby soki na kozala kaka toko ça la deuxième édition ya anniversaire. Soki pe na kozala te na ko sengana oya ko succéder ngai ba garder moi idée oyo. Hein tous à la reconnaissant vis-à-vis ya commune biso ya kala. Ça n'a rien à voir avec les élections. Je dis et je répète, c'est l'anniversaire. OK. Ça coïncide. On l'a fait presque proche des élections, mais ça n'a rien à voir avec les élections. Pour moni tango bazolo ba makambo anniversaire, ata yope na mbota mana yo, soko balobi mo kolona anniversaire, ata obosani pour mona mama na yo, ala mungi na tongo a tio poudre, bande ko ba bengi yo ba camarade, c'est-à-dire ko susciter o sawana ya que kalamu depuis abotami 71 ans, 60 69 ans 65 ans, et ça est l'homme qui a enquêté. C'est-à-dire, on est comme déjà dans le troisième âge. C'est-à-dire, tous les ans, c'est un mot. On a appelé Miloulouana, et ça n'a même pas l'abisso. On a tombé l'abisso, et puis tout s'est belle. On a tombé, on a s'approprié dans l'activité en haut. Puisque, on a tombé, on a tombé, on a tombé, on a tombé, on a passage obligé. Pour mettre ça, on a tombé, 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 on a victoire Matongé, c'est-à-dire tous en pose ça batignon se passe approprié activité wana donc le vous allez payer na site historique oyo ezayimika batubaya masano oyo basale za masano te ezali eliki apoke ndakai kokisama po commune de Kalamu ezali commune moko oyo sorte za indépendance et bandi awa pe ba makambo mingi ya minene et salami awa na commune de Kalamu indépendance de no buzako Canada ko lubawa et bandi na commune de Kalamu ba grand star babima awa na Kalamu ba médecin ya minene minene babima na Kalamu ba journaliste n'en parle même pas. Alors événement oyo eda événement moko teto zango lisano eda na biso elika ke commune de Kalamu donc par tous les moyens. Soki dai ke po mboka na biso eda ko panjana po na bitumba ba o ba do créer biso. Alors population nyo soto a commune de Kalamu to la ta sokoto. To ta sokoto to ko bunda. To si sa guerre wana de indépendance banda ki na commune de Kalamu. Voilà, c'est vraiment c'est grand. Mouta ou comprendre ngai te na kanisi bato bada ba chercheur ba comprendre ngai. Liboso ko na bomoko. Parce que bomoko nde zangi biso papa ya bazo mone le biso pona to zangi bomoko parce que na mukili fo ko banga nzambe ko komisa ye ko sale la moninga likambo so ko basale li ope osepeli
soki to lingani biso ba congolais mopaya ko kotela biso na katite toza na mboko moko ezolisa mukili mobimba to lingana eloko ya kulingana kaka nde tozolinga nayi nazaliawo en tant que mama fondatrice ya association de personnes de troisième âge nazosenga bango kaka balingana e nazosenga leta na biso Bazo songa bato ya 3e age te na ba pays nyonso bato ya 3e age baza basungi bango na leta bato ba kusunga bango ifo bazala na hôpital na bango bato ba kusunga bango ifo bazala na matriki bazala matrikile paye par leta ba na oyo ba kusunga bato ya 3e age bazala na hôpital bazala na ba home de VR na bango nde sosi na ngana za nango yango wana vraiment na zona ndinga kolobate po esengo za nga koleka makasi po nani koleka parce que Depuis Bané et Banda, depuis commune et Banda, nan makamaboye et salamati. Alors le et salami, vraiment, Bisso, ba chef de quartier, tozan et sengo, au moto aye, à sepeli kosa le lango, yango na pe biso, to accompagne na mari salam. Nga encore ba kezali idée, ba possibilité, soko ba possibilité, ezali na ba relation e belé oyo, ke mo kondi soko azali, akoui ko. Et toucher ma relation à et quoi que ça à ma mère. Et ça l'a menté, et le temps où idée, ça l'a quitté, mais le coup là, il y a eu une idée, vraiment tout se paye dans ma casse. Bandeko, peut-être qu'on touche, et ça l'a bangonde, bazali, ba doyen, hein, ba ancien, ba relaté, biso historique, il y a Mboka, ba pe sa témoignage. Vraiment, bah tout toujours que nous luka bango wana. Les amis soutiens. Bana ya commune ya Kalamu, du historique ya Kalamu. Hein, parce que ko Kalamu ezali donc tout ba commune mère oyo epesi indépendance na mboka. Oyo vraiment po ete to zo déjà Kinshasa lelo, donc e outi à partir ya Kalamu. Donc na et puis plus je dis précisément ni wapi na Matongé. Voilà. Yango makambo. Oui, na koloba ma amélioration, oui. Soto lobi ezate wana tokosi mais tokolo bak peut-être que il y a un changement mais propre les ont testé na osenga la bido les invités boté les mapo na koyamba d'honorer le premier citoyen de la commune de Kalamu monsieur le maire maboko santé ça azaka la problème ya Charlie Louboya. Pour le premier citoyen de la commune de Kalamu. L'homme de valeur a été toujours critiqué. Maboko Pembe, sans microbe, Charlie Louboya. Louboya Makobo, Charlie. Le premier citoyen de la commune de Kalamu. Son Excellence, Monsieur le Maire. Charlie Louboya, pour ta lakara Nengazali. Je vous donne le programme du festival et l'Oréa Plus. Dans notre pays, toute cérémonie officielle doit commencer par l'hymne national. Après l'hymne national, il y aura introduction par moi-même, juste pour introduire le chef du village, qui est le bourgmestre de la commune de Kalamu, Charmel Mapoko, un homme intègre. Aucune initiative. Après, il y aura un mot du cordon national Congo Popeto Service. Après, remède musical et cocktail. Monsieur le Président de la République, Fatima, je n'ai pas entendu, Fatima, je n'ai pas entendu, Fatima. Bino mo pe boy mo kamina biso ya ville Jantini ngopila mbaka ale mbaka te. Alors en respectant le jargon territorial, je vais devoir inviter monsieur le bourgmestre. Bourgmestre interne techniquement ale mayele te o ka discours na ces éléments de bienvenue et de circonstances. Chers partenaires, chers collègues, distingués invités, à vos titres et qualités, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour.
voici enfin rassemblant ces grands jours pour célébrer l'anniversaire des différents quartiers de notre commune pour avoir totalisé bon nombre d'années d'existence. Il s'agit des quartiers Matongué et Kaouka qui a pu totaliser 71 ans dans les Français belges 71 ans. Nous avons Imokongo qui vient de totaliser 70 ans dans les quartiers dans le Français belge, c'est 70 ans. Kimbangu qui a totalisé 65 ans et Yolo a totalisé 61 ans. Je ne saurais commencer mon allocation sans remercier tous nos partenaires qui se sont impliqués pour la réussite de cet événement grandiose, pour particulièrement aux compagnies Africell, Braliment, aussi bien pour leurs appuis matériels que pour leur dévouement ostensible. Nos gratulations vont également à l'endroit de l'organisation Congo Bopeto Service qui s'est adjoint à la maison communale de Kalamu pour apporter son soutien et son expertise technique. Enfin, à tout un chacun qui a pu contribuer tant soit peu à la réussite de cet événement, recevez mes remerciements. Chers partenaires, chers collègues, distingués invités, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le quartier de notre commune de Kalamu constitue de lieux tant historiques que touristiques. Qui ne se souviendra pas du camp ingénieur Nicolas, qu'on appelle CITO, actuellement appelé quartier Kaouka. Premier machiniste du chemin de fer Matadi-Kinshasa ou du quartier Fonkobel, pour le moment appelé communément quartier Kimbangu. Avec ce ferme implanté par le fonds colonial belge ou du quartier Imokongo, dont les maisons attribuées aux agents auxiliaires de l'administration d'Afrique étaient constituées à de crédits avec le financement du fonds d'avance, ou encore du quartier Baudouin, actuellement appelé quartier Pindi, pour des personnes remplissant les conditions requises, etc. Ou quid du camp Rankin, créé depuis février 1949 par M. Pierre Winnie. C'était une brousse sauvage où les anciens de Léopoldville venaient nombreux pour accueillir le fruit qu'on appelle Matongué. Fruit juteux de taille ressemblant au citron et qui deviendra quartier Matongué en 1972, en français belge 1972, par le fait maréchal Mobutu. Historiquement, Matongué est même le quartier de l'indépendance de la place Imka, partir les omettes du 4 janvier 1959, qui précipitèrent l'accession de notre pays à l'indépendance après le match de football opposé entre V-Club et FC Mikado au stade Roi Baudouin, construit par le père de la Cthulhu de Riove. Culturellement, ces quartiers mythes et mythiques et les carrefours de la musique congolaise, d'où ont émergé plusieurs artistes de grande renommée ayant attribué à la création de la légende Matongué. On les doit notamment à l'enfant du quartier, le fait Jules
Papa Wemba, de Viva la Musica, que son âme repose en paix en cet instant. Qu'il y ait érigé le village qu'on appelle le village Molokai. L'on se souvient encore des talents de notre jeune frère, qu'on ne peut pas oublier, Johnny Pateko, James Rand, Myriam Makeba, vers les années 74. À cet effet, honorer nos valeurs culturelles et artistiques étant inscrits dans les visions du chef de l'État, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous voulons commémorer ces souvenirs par l'organisation de cette première édition du Festival des lauréats, qui durera une dizaine de jours, soit du 22 au 9 septembre. Les personnes ressources, donc les icônes des différents quartiers, constituant notre légende historique, sont en exergue et seront primés. 5 stands sont érigés pour la production artistique et culturelle dans les 5 quartiers subventionnés, des compétitions sportives. Il y aura le match de football, il y aura le match de basket et il y aura aussi le Nzango. Sont programmés le scène des comédies et plusieurs spectacles sont au menu pour agrémenter le festival de notre premier anniversaire de la commune de Kalamo. Imika sera mise à profit pour accueillir les athlètes et les trophées seront accordés aux meilleurs gagnants des différentes compétitions qu'on va organiser durant cette festivité. Chers partenaires, chers collègues, distingués invités, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je souhaite à tous une bonne fête d'anniversaire et une bonne allégresse. Et sur ce, je vous remercie infiniment. Nous remercions très sincèrement le chef du village. Toujours comme à l'accoutumée, coordonnateur Bobeto, comme le dit Gonzalo Baki, à l'écapé au Bosso, à tant la discours. Coordonnateur, comme on a dit, Mbeinda qui n'a dit, chef de riz à Veni Laurier, Nakaouka, coordonnateur national à Congo Bopeto Service. Tu as un message qui est relancé à la population derrière cette vision. Message de la mission Ezali, il y a hygiène mentale. J'espère que notre pays, ma Konzamboka, va se mettre à cette hygiène mentale, l'assainissement. Assainissement, c'est ça, la Manakati à Congo, mais mito batou, c'est ça, assainir. Mon frère Yokamela, il y a un temps pour chaque chose. Et ça, la taille où tu vas dans la salité, et ça, la taille où tu vas dans la salité. Discours, la mission, et ça, derrière l'Ikamba propriété. Pourquoi? L'hygiène mentale. D'abord, l'hygiène, c'est quoi? L'hygiène, c'est un concept qui concerne la propreté et le nettoyage. L'hygiène, la propreté et qui mis la Congo pendant des années, depuis 1995 jusqu'à présent, maintenant, sur la période où on a, la tangouya, qui sasa la poubelle. Bah, oh, bah, qui sasa malamo, nege zalaki, na robe nango ya pembe, lele ou elati robe ya salité, tozo fanda nango. Alors, comment t'as robe nga la salité na kisasa, ezaka balélage ou ton salate, ezaka kirage ton salate, mais zo senga mental na biso, ezala assainir. Yon tozo benga hygiène mentale. La conscience, il faut peuple congolais, peuple
ya kaoka kalamu il faut avoir une mentalité parce que nous sommes un centre pour Afrique est bonga il faut Congo est bonga pour qui ça c'est bonga kalamu va telema kalamu telema ngonga ngo ezali biso ne nos assistre ba quartier mususu avec notre message à hygiène mentale tokote misa mokili tokore boiser quartier tokwa seni quartier na biso ezali toujours malamu. Le festival des lauréats plus à l'occasion de la célébration des anniversaires des quartiers de la commune de Kara. Son Excellence Monsieur le Gouverneur de la ville province de Kinshasa, ici représenté certainement, Mesdames et Messieurs les notables de la commune de Kalamu, tous à vos titres et qualités respectifs, Mesdames et Messieurs, en toute humilité, la population de la commune de Kalamu, tous ses chefs de quartier et son bourgmestre, je disais Charlie Kouboya, rendons un vivant hommage à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, pour des œuvres grandioses et immenses qu'il vient de réaliser en faveur de la population de notre commune de Kalamu en particulier, et aussi réalisées à travers la République démocratique du Congo toute entière. En effet, on a besoin de signaler que la commune de Kalamu est le cœur de la ville province de Kinshasa, spécialement l'un de ses quartiers, en l'occurrence le quartier Matongé qui a une réputation sur le plan international. Avec les événements historiques du 4 janvier 1960 et le 16 février 1992, pour avoir arraché l'ouverture de la conférence nationale souveraine de cette année, l'organisation des aides de la francophonie tout récemment. Que tous nos papas et mamans du troisième âge trouvent ici l'expression de notre profond amour et de notre reconnaissance pour les combats qu'ils ont menés pour le bien-être de la jeunesse chinoise. Que le bon Dieu bénisse la République démocratique du Congo, son président et toute sa population. Au nom de M. le gouverneur de la commune de Kalamu, j'ai cité Charles Louboya. Et au nom de mes collègues chefs de quartier, moi Bakitiki Marcel Amiou, chef de quartier de Matongé 3, je vous en remercie. Kalamu, commune de Kalamu, alors, si on peut ça, on peut ça, on peut ça, Kalamu est passé de décennies et des décennies, personne n'a pensé à lui pour célébrer son anniversaire. Aujourd'hui, l'idée m'est venue pour quand même, pour une fois, organiser l'anniversaire de notre cher Kalamu. À ne pas oublier, Kalamu c'est quand même une personne morale qui nous a accueillis, qui nous a donné toutes les opportunités. Quand je parle de Kalamu, je vois le quartier Kauka, je vois le quartier Matongé, je vois le quartier Imokongo, je vois le quartier Kimbangu, je vois le quartier Yolo. Donc nous voulons quand même rendre hommage à cette personne morale qui nous a tant accueillis sur cette terre. Nous allons profiter de cette interview pour aussi savoir les perspectives à venir, mais notamment par rapport à cette question déjà qui choque aussi l'opinion sur la vente de votre partie de votre municipalité. Qu'est-ce qu'on peut exactement avoir comme commentaire? Bon, j'avais bien souhaité qu'on puisse plus parler de l'anniversaire, mais pour ne pas esquiver à votre question, c'est du faux. Moi, je suis né et grandi à Kalamu, je suis le numéro 1 de Kalamu. Je vois très mal comment est-ce que il y a eu quand même quelques bouches mal orientées qui se sont permis de me qualifier de quelqu'un qui a dû vendre une portion de terre de Kalamu, mais c'est dit faux. Cette histoire remonte de 2003. Il y a une famille qui s'est brandie avec un jugement, soi-disant que cette partie-là leur appartenait. Ok ? Bon, 2003, moi je n'étais même pas ici, hein, je n'étais même pas au courant de la situation. Alors, il s'avère que c'était des faux papiers,
C'était juste en passant, s'il vous plaît. Oui, on les a chassés, je voulais chuter. Et par après, ils sont revenus en 2019. Son Excellence, Monsieur le Gouverneur, Gentilly Ngobela, est venu encore les chasser. Comme par hasard, ils se sont pointés encore là où j'étais. Et j'ai fait pareil, j'ai fait déplacer Son Excellence, Monsieur Gentilly Ngobela, et qui a tranché la situation. Et il les a chassés aussi, mais on va les poursuivre en justice. C'est compris, merci beaucoup. Mais est-ce que, dernier mot, vous allez aussi peut-être exprimer ça aussi en Lingala, pour ce qui concerne les perspectives à venir et ce qui pointe à l'horizon par rapport à l'organisation de l'anniversaire de votre ministre? Bon, tel qu'on a lancé l'EGO aujourd'hui, et chaque quartier sera érigé dans un site où il y aura des activités, comme je l'ai énuméré, il y aura les matchs de football, il y aura tango, il y aura basket, il y aura quelques petits scénarios des pièces de théâtre, et dans chaque quartier. Donc c'est vraiment une fête pour les Calamoises et les Calamois. Et en fin de compte, on va aussi penser à nos lauréats, hein, les gens qui ont marqué Calamou, qui ont quand même vendu Calamou. On a préparé quelques brevets hein, de mérite qu'on va leur attribuer. Et je souhaite que cette première aventure ne soit pas le dernier. Demain, si Dieu le veut, je suis là. On doit encore refaire l'anniversaire. Si demain et que je ne suis pas là, je souhaiterais à ce que mon prédécesseur puisse garder toujours cette initiative. La reconnaissance par rapport à la commune de Calam. Pour mon anniversaire, tata yopé, nambota manayo, ce que balobi mon anniversaire, tata obosani, pour mon maman nayo, ala mungi natongo acho poudre, bande ko babengi yo ba camarade, c'est-à-dire pour susciter au savana ya que Calam depuis abotami 71 ans, 60 69 ans, 65 ans. Et ça, c'est l'homme qui a été. C'est-à-dire, on est comme déjà dans le troisième âge. C'est-à-dire, tous les ans, on est 5 ans. On est là, et ça n'est pas dans le biseau. On est dans le biseau. Et puis, on s'appelle. Je vais s'approprier l'activité. Puisque, je vais dire que tout le monde est un calme, c'est un passage obligé. Pour moi, c'est un calme. On est là, 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 on est là. Victoire matongé, c'est-à-dire tous ça pour ça batignon se passe approprié activité wana donc on vous a la paix na site historique oyo ezayimika batubaya masano oyo basale da masano te ezali eli ki apoke ndakai ko kisama po commune de Calamou ezali commune moko oyo sorte za ki indépendance e bandi awa pe ba makambo mingi ya minene. Et salami awa na commune de Calam. Indépendance de nos Canada pour le bawa et bandi na commune de Calam. Ba grand star babima awa na Calam. Ba médecin ya minene minene babima na Calam. Ba journaliste n'en parle même pas. Alors événement oyo et da événement moko teto zango disano. Et dans abisso elika ke commune de Calam to le par tous les moyens. Soke dai ke po mboka na biso edako panjana po na bitumbo ba o ba do créer biso alo population nyon surtout a commune de Calam tola ta sokoto tola ta sokoto to ko bunda to si sa guerre wana ndenge indépendance banda ki na commune de Calam. Voilà, c'est vraiment c'est grand mota o comprendre ngai te na kanisi bato ba da ba chercheur ba o comprendre ngai liboso po na bomoko. Parce que bon moko nde zangi biso papa ya bazo mon ele biso pona to zangi bon moko. Parce que na mukili il faut ko banga nzambe ko komisa ye ko sale la moninga li kambo soko ba sale li ope o sepeli soko to lingani biso ba kongole mo pa ya ko ko televizion na katite to zana mboko moko zo lisa mukili mobimba to lingana eloko ko lingana kaka nde to zo linga na ina zalia wa en tant que maman fondatrice. Il y a l'association des personnes de troisième âge. Nous sommes en Bangkara, Balingana. Et nous sommes à l'état Nabiso. Nous sommes à la troisième âge. Nous sommes à la Péignon, nous sommes à la troisième âge. Nous sommes à l'état. Nous sommes à l'état. Bato ba kusunga bangu ifo bazala na hôpital na bango bato ba kusunga bangu ifo bazala na matriki bazala matrikile paye par l'état ba na oyo ba kusunga bato 3e âge bazala na hôpital
bazalana ba homme de verre na bango nde sosi na ngana za na ngo ya ngo wana vraiment na za na ndinga ko lobate po esengwe za nga koleka makasi pour ani koleka parce que depuis bané et banda depuis commune banda nan makamba boye et salamati alors le lieu salami vraiment biso ba chef de quartier toza na esengo o moto ya ye a sepeli ko sale yango yango na pe biso to accompagner na marisa nga ko ba ke zali idée ba possibilité soko ba possibilité ba possibilité ezali na ba relation ebele oyo ke mo kondi soko azali akoki ko ko toucher ba relation na ye e ko ko sala mame e salamante peut-être le temps musu ba idée ezala kite mais lokola oyo ye azu idée oyo vraiment to sepe nango makasi bandeko oyo to ko kende peut-être ko toucher ezali po bangonde bazali ba doyen hein ba ancien ba relater biso historique ya mboka ba pe sa témoignage vraiment ba tout toujours que nous luka bango wana za mi soutien bana kalamu bana ya commune ya kalamu du historique ya kalamu hein parce que ko kalamu ezali donc tout ba commune mère oyo epesi indépendance na mboka oyo vraiment po ete to zo déjà Kinshasa lelo donc e outi a partir ya kalamu donc na et puis plus aussi précisément ni wapi na matongé. Voilà, il y a un mot. Oui, il y a une amélioration, oui. Soit le bien exacté, ou en tout cas aussi. Mais tout cas, peut-être qu'il y a un changement. Prenez rendez-vous chaque jour de 12h à 13h30. Africa Cool Télévision, nous serons en direct. Donc, on traite le sujet d'actualité. Et puis, on a un téléphone ouvert pour que vous puissiez ça, point de vue. Nous avons tous appelé les Béliers à Bandeko Diaspora. Tous avons besoin de participer à l'émission. Bandeko Baza à l'intérieur, il y a Bamboka. Vous avez besoin de participer. En tout cas, notre autorité morale, actuellement, c'est déjà Bamatos. Nous sommes déjà prêts. Nous sommes vraiment prêts pour que tout Banda Kosolo Lana Bino en direct. Africa Cool! Et après, cool, ouais. Africa cool, ouais, cool, le quoi cool ma topi, Africa cool, toujours, Africa cool, toujours, Africa cool, c'est bon. Et sa chaîne est bien, et puis vous êtes très rapide, et sa chaîne moko, bah quoi ça a bien confiance. En tout cas, nous avons 5 ans à nous battre, nous avons souscrit des bazois. Donc, ils ont vraiment été au Balobakaki. Bouka lelo, lamba lelo, lia lelo. Vous voulez le Congo? Pour que le Congo devienne cool, pour suivre les cool analyses, alors revenez et abonnez-vous massivement. Bobozana Moana, massivement. L'Afrique cool donne l'information en temps réel et en temps chirurgical. Si tu ne suis pas, tu as la crise cardiaque. Qu'est-ce que tu penses de l'Afrique Cool? C'est pépélé. Africa Cool, c'est la destination de prédilection pour une communication optimale. Longo Dianabino Mama. Africa Cool Télévision est une chaîne qui est en train de réunir toutes les tendances. Voilà. Donc les chrétiens s'y retrouvent, les païens s'y retrouvent, les politiciens s'y retrouvent, les femmes ménagères s'y retrouvent. Mm. Donc, Eza et Loronabiso, Tosepe Laranango, Yango, chaque fois son aïe na Kishasa, il faut namona Africa Cool. Yomo ni ba chaîne Oeza impartiale. Loro Dianabino. Vous méritez le soutien de la population ainsi que des institutions compétentes. Vous placer un petit mot par rapport à la récompense Oyo. Ah, je félicite, je félicite très sincèrement Africa Cool. Voilà. Je n'avais pas opéré le mauvais choix. Voilà. J'avais recommandé, je me rappelle que je disais que c'était une destination de prédilection pour une communication optimale d'excellence. Nazanga Mogote Tala. YouTube yemoko à reconnaître que na pona ki mabete au moni ba choix to salaka ba réflexion to salaka tikala kaka abonné à Africa Cool. Voilà. Tikala comme ça to partageaka. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup. Bravo Bino mutu bo s'abonner parce que trophée ezali ya Bino. Voilà. Ezali partagé. Voilà. Moi je me sens aussi copropriétaire y a prix Oyo. Voilà. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup. Toujours. Ah. Toujours.